Bonjour, bienvenue. Mon nom est Leprovo. Donc, je suis de retour avec les trucs et astuces. Je vais faire la suite sur la fabrication numérique. Alors, on avait commencé à parler d'un des trois produits qui seront vus pendant cette courte série que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Alors, je vais poursuivre avec MBD. Et avant de vraiment entrer dans MBD, quand même sommairement, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur MBD, c'est une introduction de manière à connaître l'outil, savoir qu'il est là et les avantages d'utiliser cet outil. Donc, si on regarde à l'intérieur de notre SolidWorks, c'est le modèle sur lequel on va pouvoir réaliser du MBD. Mais avant de le faire, j'aimerais vous montrer plutôt à partir de quoi, justement, MBD est arrivé. Donc, à l'intérieur de SolidWorks, j'espère que c'est pas nouveau que je vais vous dire ça, mais on peut déjà faire de l'annotation en 3D sur nos modèles. Et c'est grâce à notre outil DimExpert. Donc, je vais réallumer les informations. Et comme ça, ben vous voyez maintenant ce que DimExpert a été capable de faire sur mon modèle. Alors oui, j'ai plein de cotations, puis on voit là, ouf, il y en a qui sont une par-dessus l'autre. J'en ai qui sont même sur une autre vue, on dirait. Oui, c'est ça. Alors que ça commence à être un peu compliqué. DimExpert va me permettre de rentrer de la bonne information quand même sur mon modèle. C'est de l'information qui est active. Donc, quand je clique dans l'arbre, elle va venir mettre en surbrillance l'information qui a été annotée. Ça fonctionne super bien, même dans le sens inverse. Si je clique sur la cote, ça met en surbrillance et ça ouvre naturellement le panneau pour ajouter nos informations de fabrication qu'on voudrait faire. Donc, des boîtes de tolérancement, des types de précision qu'on désire avoir sur la fabrication sur notre modèle. C'est bien, mais ça peut être un peu quand même mêlant. Un peu moins que sur une mise en plan 2D, puisqu'ici, je suis capable de mettre en surbrillance les informations et de manipuler mon modèle 3D. Donc, ça va m'aider à mieux comprendre le modèle. Mais ça reste quand même encore un peu flou. Un peu difficile parfois à bien visualiser les informations. Alors que quand on va utiliser MBD, je vais fermer ce modèle-là, simplement ouvrir la pièce sur laquelle on va travailler la prochaine rencontre de nos trucs et astuces. Donc, on va aller ouvrir cette pièce-là maintenant pour comprendre comment MBD va fonctionner de manière différente. Alors ici, j'ai activer les annotations dynamiques. C'est ce que MBD va me permettre de faire, de créer des annotations qui vont être dynamiques également. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que MBD va ajouter la possibilité d'avoir des vues sur lesquelles les annotations vont être poussées. Contrairement à tantôt où elles étaient partout sur mon modèle, eh bien ici, à l'intérieur de mon modèle maintenant, les annotations vont être liées vraiment chacune à l'endroit auquel elles sont spécifiques. Alors, la même chose, je peux les mettre en surbrillance pour aller voir justement qu'est-ce qui se passe sur mon modèle. La même chose qu'à l'intérieur de DimExpert, mais maintenant, de manière beaucoup plus efficace, puisque je suis capable de faire des coupes, des vues, je peux travailler même sur des configurations différentes de mon modèle et toutes ces informations-là vont pouvoir se ramasser sur mes vues. Toujours avec les mêmes outils d'annotation et de précision auxquelles vous avez besoin d'avoir pour la fabrication. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée des avantages qu'MBD déjà amène en plus que DimExpert pouvait faire. Et lors de notre prochaine rencontre, on va voir comment ajouter justement des dimensions, comment faire des vues et autres. Puis on regardera un peu comment ce modèle-là peut être également consulter grâce à eDrawing en collaboration. Donc, facile de partager ces informations maintenant comme ça avec MBD également. Avec eDrawing aussi, pardonnez-moi. Donc, sur ce, Alain Provost, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres.